La vie est belle lorsqu'on est à deux. Elle est belle lorsqu'on est avec des personnes avec qui l'on sillonne. Mais elle ne s'accompagne pas. Alors pourquoi on est seul? Parce que quelque part, on ne dit rien de bon et on ne dit pas tout de ce que l'on ne sait. Alors, on a vécu avec des gens qui ont jugé qu'il était important de nous lâcher et de nous dire que les travers de ce que l'on fréquentait n'étaient pas fiables à de l'amusement. Alors, pourquoi aujourd'hui cheminer seul et ne pas cheminer à deux? Parce que la pensée est lente et la pensée est déjà moins parcourue. Alors, pour se refaire, il faut participer à des groupes, il faut participer à des émissions, il faut participer à des formations bel et bien mentionnées dans des documents à titre d'importance qui recueillent de quoi se fait l'amitié sereine. Parce qu'à deux, on n'y pense pas. Et à deux, on est toujours à l'essence de croire que le monde ne s'éteindra pas, mais tôt ou tard, on se sépare. Donc, il faut reconnaître les signes d'amitié et toujours précéder l'envergure d'une future séparation.